Et salut tout le monde, c'est Toxa, les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 48, il me semble, de notre Let's Play sur World of Oxar. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, comme vous pouvez le constater ou pas. On va donc changer de région, si vous avez bien écouté l'épisode précédent. On va se rendre au Marais Chagrin, donc je vais vous montrer sur la carte, hein, pour ceux qui ne savent pas où cette nouvelle région se situe. Elle se situe un peu plus bas que les Carmines, entre les Carmines, si j'ose dire, et les Terres Foudroyées. Qui sont entre guillemets l'axe de passage pour se rendre en Outre-Terre avec le portail qu'on découvrira dans les futurs épisodes. Ça ne serait tardé puisqu'on va passer en Outre-Terre niveau 58. Ça va aller très vite, hein, on est niveau 52. Donc rassurez-vous les amis, on va bientôt se rendre en Outre-Terre. Et je sais que je vous saoule beaucoup avec l'Outre-Terre, mais ça va changer considérablement le let's play, vous allez voir. On va enfin pouvoir prendre de l'équipement beaucoup plus efficace, et ça, c'est ce qu'on recherche, bien sûr. Donc, on commence donc ce let's play, enfin cet épisode de let's play par un petit vol en griffon. Rassurez-vous, ça va, on arrive bientôt. Regardez, on arrive déjà dans une région très très humide, hein, si j'ose dire, hein. Très très humide, donc c'est un marécage, hein. Marécage assez lugubre, donc les marécages, hein, sont pas tous lugubres, hein, je vous rassure, hein, mais là ça fait vraiment penser à un film d'horreur, ce genre de marécage. Et c'est une région qui, malheureusement, bien malgré moi, n'a pas réellement d'histoire à proprement dit. Moi qui voulais vous faire un petit cours historique sur cette région, bah, c'est un petit peu râpé parce que bah, y a pas grand chose à raconter. Et là, j'arrive, mais il n'y a aucune quête à disposition, donc c'est le gros fail. On va chercher, hein, on va chercher les amis, je pense qu'il doit y avoir des quêtes quand même quelque part, hein. C'est un petit peu normal, j'ai envie de dire. Donc on va fouiller. Ils sont à quel niveau ici? Ils sont 60. Attendez, c'est quand même bien la région de mon niveau aussi. Oui, quand même. Je suis quand même pas... ouais, 52, je suis niveau 52. Donc ça devrait être une région à mon niveau. On va fouiller, on va aller un petit peu... on va aller d'abord à l'entrée de cette région, hein, parce que là, on est un petit peu dans les terres, finalement. On va aller voir ce qu'ils nous proposent un petit peu en amont. Je pense quand même qu'il devrait y avoir des quêtes, hein, ça me semblerait... Ouh là là, j'ai bugué. Ça me semblerait un petit peu logique. Et là, il y a un Nord-2, là-haut. En PVP, donc il peut nous attaquer, celui-là. Hop, 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 on va monter cette charmante petite colline. Pour voir si ben, il n'y a pas des quêtes, hein, parce que ça me rassure pas vraiment, hein, pour vous dire très franchement. Je m'attendais vraiment à voir une région avec des quêtes. Et ben on dirait que c'est le gros fail actuellement. C'est un peu bizarre quand même. Il n'y a pas de quête ici? C'est incroyable. C'est incroyable mais vrai, voilà, je cherchais. Il n'y a pas de quête. Bon. Bon. Pourquoi? Peut-être au camp là-bas. On va se rendre à l'autre camp, parce qu'il y a plusieurs camps. Donc finalement, on va y aller. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Ça nous fait visiter, ça nous fait admirer ce paysage. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. On va pousser un petit peu les graphismes, si vous voulez bien. Mettre en élevé. J'espère que la config tiendra. Il n'y a pas de raison. Je tourne quand même avec un i7 avec 8 Go de RAM. Si ça tourne pas, c'est qu'un souci. Donc on va se rendre au camp, hein, que j'ai quitté tout à l'heure, pour voir si on peut pas prendre un griffon pour se rendre dans les autres camps disponibles dans cette région. Parce que eux, ils avaient l'air d'être pas très très accueillants, hein, aucune quête, rien du tout, démerde-toi. Et en parlant de démerde-toi, ben, j'ai oublié d'activer mon chronomètre, donc je sais pas du tout à combien de minutes on en est déjà. Bon, je pense qu'on n'est pas à beaucoup de minutes. Hop, j'ai activé mon chronomètre sur mon iPhone. Allez, on va prendre donc le griffon. Rebelote, on va refaire un petit tour en avion. On va se rendre à celui-là, hein, c'est en même temps c'est le seul disponible. D'accord, je suis occupé à combattre. J'étais même pas au courant moi-même. Ouh, c'est un niveau 55. Ah ouais, c'est peut-être pour ça qu'ici, à mon avis, ici, ils donnent des quêtes un petit peu plus haut niveau. Et pas en fonction de mon niveau actuel. Pour l'instant, c'est un petit peu mort, donc je vais me rendre au quai. Au guet, non, c'est ok ou au guet? Ok, c'est au guet de l'estreinte. Donc on va voir ce qu'ils nous proposent là-bas. J'espère qu'il y aura des quêtes, qu'on soit pas venu ici pour rien.
qu'on n'ait pas fait que de l'exploration bête et méchante. Oula, ça se bat en dessous là, c'est épique. Ah, il y a un combat, il y a des combats en dessous là, c'est bon ça. Horde d'alliance. Ça va réveiller un petit peu les ordeux dans les commentaires, ça, je pense. Ah, il y a des quêtes, les amis, ça fait plaisir. Enfin. Oula, t'es moche toi. Oula, t'es moche toi. Toi, t'as dû passer sous une voiture pour être aussi moche que ça, c'est pas possible. Bon, bah, c'est un bon petit camp allianceux là, les amis. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On va pouvoir donc faire ces quêtes là qu'ils nous proposent. Je vais prendre mon bouquetin. Je vais faire carte. Et on va commencer par, ben, par ce qu'ils nous proposent. Hein. Moi, je suis bêtement la flèche, hein, tout simplement. Je me pose pas réellement de questions. Hein, parce que, ben, tout simplement parce que l'interface est très bien faite ainsi. Et généralement, ils nous donnent des bons petits raccourcis où aller. Allez, c'est parti. Niveau 53, d'accord, ok, ça monte un petit peu en niveau par rapport aux autres régions. En même temps, je devais. Attends, je sais pas pourquoi je m'étonne parce que je m'y attendais un petit peu, on va dire. Mais rassurez-vous, hein, Oxor TV, le chaman le plus en vue de World of Warcraft, j'ai envie de dire, est en train de monter gravement avec ses sorts. Hein, il commence à faire de plus en plus de dégâts. Vous pouvez l'apprécier au fur et à mesure des épisodes, je pense. Et moi, je peux vous dire que je vois vraiment un changement réel hein, sur les dégâts de ce chaman. Depuis qu'il a passé le niveau 50, c'est vraiment un autre homme. J'ai l'impression qu'il a mûri complètement. Et ça, c'est vraiment pour le bien de tout le monde, j'ai envie de dire. Donc, on s'approche timidement, les amis, hein, de l'épisode numéro 50. Épisode épique, j'ai envie de dire. Puisque bon, on va essayer de se retrouver à plusieurs. Hein. Je sais pas quand c'est que je le tournerai. Je sais pas du tout à quelle période je le tournerai. Je vais essayer de le tourner l'après-midi pour voir qu'il y a plus de monde connecté. Et on se fera donc un donjon pour ceux qui ont un personnage du même level que moi. En tout cas, c'est vrai que c'est risqué de faire un donjon. C'est toujours risqué de perdre un heal en cours de raid. Donc si vous avez un heal et un tank... Enfin, moi, je ferai le heal. Mais si vous avez un tank... Niveau, on va dire 54-55, je pense, ça sera dans ces niveaux-là. Et ben, ça serait vraiment super sympathique de l'emmener. Comme ça, au moins, ben, on aura le tank et le heal. Les DPS, d'ailleurs, on les trouvera très rapidement. Moi, je me mettrai en heal. Après, s'il y a quelqu'un qui veut heal à ma place, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais ça serait idéalement bien d'avoir un tank avec moi. Pour pas qu'on soit un petit peu à la ramasse. Si le tank live parce qu'il a quelque chose à faire. J'aimerais vraiment bon, à mes abonnés qui prennent un tank, ça serait super. En tout cas, moi je viendrai en heal. S'il n'y a pas de heal, il n'y a pas de souci de ce côté-là, rassurez-vous. Peut-être que je ramasse les cristaux. Je sais pas trop c'est quoi ces bestioles qui sont par là, mais ils ressemblent strictement à rien. Ça fait un moment en plus que ces bestioles existent dans le jeu. Hein. Je les ai déjà croisées il y a très très longtemps à Vanilla. Bah, ils étaient déjà là, hein, dans cette région, ils étaient déjà présents ici. Mais je me souviens plus c'est quoi cette race de bestioles. Je pense que c'est marqué en plus hein, dans ma quête, ça doit être stipulé je pense. Je vais la lire pendant que je fais ces mobs. C'est des âmes déchues, ils disent. Je sais pas, on est guère avancé avec ce terme. Moi je trouve qu'ils ressemblent un petit peu à des Narus, mais après je dis ça, je dis rien. Ah, se soigner un coup. Très très important. Sinon, on va se faire tuer bêtement. Donc il y en a beaucoup qui me posent la question sur mon inventaire, ce que j'utilise comme add-on. L'add-on s'appelle One Bag, hein. Il n'y a pas d'autre One Bag comme un sac quoi, en gros, en anglais. C'est un add-on très utile, pas besoin de paramétrer, vous mettez image directe, c'est super, super sympa. C'est un add-on qui déchire en plus, quoi. On ouvre un sac, ça ouvre tout en même temps, et c'est tout regroupé dans le même. Donc ça c'est vraiment super, c'est gratos, c'est super, c'est nickel, il n'y a rien d'autre à dire. Moi par contre je cherche la cisaille que je devrais avoir normalement. Cisaille des vents, donc c'est ça.
D'accord, ça interrompt les sorts. Ça interrompt les sorts. Ok. On va le mettre là? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que ça peut être utile, hein. Je sais pas c'est quoi ça. Ça peut être utile, c'est vrai. Ça peut être vraiment utile pour ceux qui castent. J'avais complètement oublié de l'utiliser. D'ailleurs, on va même le mettre ici. Je pense que ce sera beaucoup plus utile que ça. C'est un coursier avec la souris, on pourra l'avoir assez rapidement. Par contre, eux, ils castent pas, donc c'est pas la peine d'essayer. J'ai essayé, ça marche pas du tout avec eux. Il y a encore deux de ces hommes perdus là, complètement déchirés hein, ici. Ah, j'ai tué un crapaud, quel dommage. C'est pas contre lui que j'en avais pourtant. Ils vont m'envoyer Brigitte Bardot là sur les bras, je vais être dans la merde. Parce que j'ai tué un pauvre animal qui était sans défense, qui n'avait rien demandé à personne. Je suis totalement désolé hein, pour ceux qui aiment les animaux. Je n'ai pas fait exprès de le tuer. Ne m'en voulez pas. Allez. Ah, j'aurais pu casser son sort, mais j'ai pas fait. Crève toi, allez, hop. On parle plus comme ça. Hop, je prends ma monture et on va aller valider ces deux quêtes. Deux petites quêtes déjà de réaliser. Ça va, c'est vite, ça va, c'est vite. J'aime bien cette région pour l'instant. C'est très, comment dire, c'est très vert. Hein, c'est même mon personnage est vert. Tout le monde est vert ici. On a tous qu'on est malade, mais c'est cool. Hop, il est perdu. Oh, qu'est-ce que c'est que j'ai? Ah, honoré Exodar. C'est cool ça. C'est cool, c'est bon ça. Voilà, bon ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les deux autres quêtes suivantes, on va les bouffer du hors-deux. Et moi, sachez que j'aime bouffer du hors-deux. C'est mon repas préféré, désormais, hein. C'est mon repas favori. J'adore ça, c'est une passion, je pense. Allez, hop, on va se les bouffer, ces hors-deux qui ressemblent strictement à rien. Je suis désolé pour les hors-deux qui regardent, hein, mais c'est totalement ironique ce que je suis en train de dire, hein, rassurez-vous. Je n'ai rien contre vous, si ce n'est que ben vous avez une puanteur assez nauséabonde. Hein. En même temps, c'est normal. Puanteur nauséabonde, c'est un petit peu la même chose, j'ai envie de dire. C'est normal. Mais j'aime pas trop les hors-deux. Hein. Veuillez m'excuser, je suis un allianceux depuis toujours. Et j'ai pas, j'ai un hors-deux, rassurez-vous, mais qui est niveau 12. J'essaye de le monter, mais ça me branche pas spécialement. Je trouve assez vide les régions hors-deuses. Je suis désolé pour ça, mais je n'y peux rien. J'ai beaucoup de commentaires comme quoi je devrais monter un hors 2 et tout, je trouverais ça super. Mais je trouve pas le courage en moi pour monter un hors 2. Je sais pas pourquoi, je sais pas du tout pourquoi. À mon avis, être hors 2 c'est 200, hein. On n'est pas hors 2 qui veut, je pense. En tout cas, eux ils sont bien rapides ces guerriers. En même temps, ils ont vraiment, pour moi un hors 2 qui a vraiment du skin, pas du skin, hein, du skin hein, vraiment qui est vraiment joli, qui correspond bien à la horde, c'est les orques. Vraiment les orques qui sont tout ce qu'il y a de plus moche dans la horde, mais tout ce qu'il y a de plus comment dire, tout ce qu'il y a de plus je vais peut-être me soigner, sinon je crève. Waouh. J'ai failli crever les amis, je suis passé à 3 cm de la life, de la mort. Pour moi les orques c'est vraiment les plus stylés de la horde hein. C'est clair et net. Moi si je devais monter un orc de 90, ça serait un orc, ça c'est sûr et certain. Ils ont un incroyable, pas un incroyable talent, hein, mais ils ont vraiment beaucoup de skins. C'est des bourrus, c'est des ordeux, c'est des barbares, c'est tout ce que vous voulez. C'est vraiment le top of the top des ordeux, je trouve, les orcs. Bon, bref, on va peut-être passer sur cet orc là que je suis en train de dire que c'est les plus beaux et tout. De la horde bien sûr, pas d'alliance, hein, parce que dans l'alliance on est tous beaux, hein, ça c'est sûr. Sauf peut-être les naines, qui sont pas top, hein. Ils sont pas génialissimes les naines. Et les gnomes, peut-être les gnomes également, je suis pas trop gnome moi dans l'alliance, j'aime pas trop cette race des gnomes. Je trouve un peu bizarre. Puis on va peut-être éviter de parler des pandarènes hein, qui sont des purs vendus, j'ai envie de dire, hein, qui sont autant dans l'alliance que dans la horde. Ça, ils y sont pas pour grand chose en même temps, hein, c'est eux qui choisissent leur destin après, hein, soit dans l'alliance, soit dans l'horde. Mais qu'ils soient dans les deux factions, je trouve ça un petit peu dommage.
Blizzard ne s'est pas trop foulé, on va dire, sur le fait. Sur le truc. Enfin, sur le délire, ils sont pas super bien foulés. Vous aurez pu créer deux types de pandarène, hein. Un pandarène méchant et un pandarène gentil. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces péons là? Ah, faut tuer des péons. Tuer des péons, c'est cool ça, tuer des péons. C'est pas tous les jours qu'on peut tuer du péon. Eh ben on va y aller, on va tuer du péon. Hein. Il y en a là. Il y a du péon par ici, les amis. Encore du travail. Ça me fait rappeler un petit peu les quêtes qu'il y avait à... pour récupérer le Drake, le premier Drake qu'on devait récupérer à Burning Crusade. Quand il y avait des péons et des trucs, c'était des péons qui travaillaient, mais c'était pas des orques, hein, rassurez-vous, c'était des bestioles qui font un petit peu aux bestioles de Starship Troopers, pour ceux qui connaissent. Et quand on cliquait dessus... Ah non, c'était bien des orques finalement dans la mine. Quand on cliquait dessus, il disait une phrase vraiment qu'on a beaucoup repris, c'est... Encore du travail? Genre, les mecs, ils ont pas envie de travailler, quoi. Et puis en même temps, c'est un petit peu des esclaves, j'aime dire, les péons. Enfin, c'est des sous-orques, on va dire. Hein. C'est des orques qui sont mis au rang d'esclaves, finalement, par leur propre faction. C'est pour dire, hein. Si la Horde, c'est pas vraiment bien. Hein. C'est le mal, la Horde. C'est pour ça que je vous le dis encore une fois, la Horde, c'est le mal. Il y en a moitié, ils ont encore des esclaves alors que l'esclavage a été aboli, hein, je tiens à le rappeler quand même. Il n'y a que les méchants maintenant qu'ont des esclaves. Et les gentils comme nous, ben, on n'a pas besoin d'esclaves comme ça. Enfin, il me semble pas que l'Alliance utilise des esclaves. Hein. À mon avis, eux, ces ordeux, ils dorment dans des cabanes au fond du jardin avec comme seul oreiller ou matelas de la paille. Allez, plus qu'un. Je regarde derrière moi si j'accrois pas. Chef, c'est assez relou quand même, ces péons là, pour le dire. Voilà, allez, on va prendre un codo pour essayer de se fondre dans les décors dehors d'eux. Ce qu'ils vont repérer, parce que j'ai un codo, donc normalement ils n'auraient pas me repérer. Vu que le codo, c'est la monture de base du Doren. Maintenant, les montures de base ne veulent plus forcément dire grand chose, hein, j'ai envie de dire. Puisque ben, c'est vraiment facile d'être exalté dans une capitale désormais. Avant, c'était un peu plus compliqué. Ça prenait vraiment plus de temps, il fallait ramener des étoffes. Et tout. C'était un peu plus chiant, on va dire. Ça, je parle il y a des années en arrière, c'était pas maintenant. On valide les deux quêtes. C'est intéressant tout ça. Ou pas. Ah, ça se vend cher par contre, ça en prend. J'ai déjà validé les deux quêtes? Rigole. Que la journée soit bonne. Putain. On se voit plus tard. Que la journée soit bonne. Et ben voilà, qu'est-ce qu'il y a de beau à faire? Bon, on va faire encore une ou deux quêtes avant de se laisser parce que ça fait un petit épisode sinon. On va faire encore une quête. On va tuer les ogres qui sont cachés, je sais pas où. Ah, d'accord. Ah, ok, le phasing. Regarde. Donc voilà, avant, quand on est arrivé ici, ça se battait dur et dur, vraiment dur, hein, dur comme fer. Et là, il n'y a plus personne. Donc ça s'appelle le phasing, hein, le phasing qui est une méthode employée par Blizzard pour, on va dire, changer, entre guillemets, une zone sans temps de chargement. Une zone qui, par exemple, une fois qu'on valide une quête, ben la zone va changer. Comme là, maintenant, c'est des ogres qui sont ici, c'est plus des orques. Donc le phasing, c'était implémenté, me semble, à Wrath of the Lich King, si je dis pas de bêtises. Et sa tête a même été implémentée à la toute fin de BC, peut-être. Je dis peut-être une bêtise là-dessus, mais peut-être qu'à toute fin de BC, ils ont commencé à mettre du phasing. À Sunwell, par exemple. Enfin, dans la région de Sunwell, où on faisait les quêtes pour l'effort de guerre. Après, je dis peut-être une bêtise là-dessus, mais déjà de sûr, c'est qu'il y a eu du phasing. Le phasing a vraiment commencé à Wrath of the Lich King à un moment de s'étendre, bien sûr, à Cataclysme avec tout ce qui s'engendre actuellement. Donc ça va assez vite, hein. Ces ogres sont très bêtes, ils ont un gros gourdin dans la tête, ils ont deux cerveaux, enfin deux têtes, deux cerveaux, ça c'est autre chose, mais ils sont très nuls.
Je me suis fait voler ma cible ou quoi là? Il me semble. Il me semble pas que ça m'ait compté celui-là. Regardez-moi ça. Putain, relou ça. Font chier les trucs de l'Alliance là. Oh, j'ai raté mon coup. Merde. Allez, tu vas mourir toi, pute que ça là, tu vas couche panier là, dis donc. Allez, crève. Eh ben dis donc, Son loup va tuer celui-là. Je vais mettre un totem, pour voir ça plus vite. Je pense qu'avec un totem, ça devrait aller un peu plus vite. C'est en tout cas ce que vous me dites dans vos commentaires. Je vous suis, hein, écoutez. Je lis tous les commentaires, ça c'est sûr. Après, j'applique pas forcément tout ce que vous me dites parce que ben, des fois il y a des épisodes qui ont déjà été tournés entre temps. Mais j'essaie de lire tous les commentaires, ça c'est sûr. Et après, j'applique ce qui me semble le plus raisonnable. Ouais. Par contre, arrêtez avec le commentaire. Enfin, ils se reconnaîtront, hein, ceux qui mettent ça. Arrêtez avec le commentaire first. Ça fait vraiment kikoulol. On s'en fout un petit peu de ce genre de commentaires. Si vous pouvez mettre un commentaire un peu mieux, ça serait vraiment plus sympathique. Allez, on va valider la quête, les amis, puis on va se laisser. Hein. Parce qu'on va quand même laisser un petit peu de quête dans cette région, avant de tout faire. Sinon, c'est un petit peu dommage. Donc, niveau 52. Normalement, le prochain épisode 53. Donc, ça devrait aller pour le donjon, l'épisode 50. Allez, on valide la quête. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ouh, c'est joli, ça. Où ça? Non. Ah, c'est triste. C'est vraiment très triste. Je vais prendre ça. Ça sort plus cher. Bon, est-ce qu'il y a une auberge par ici? Je ne suppose que non. Pas d'auberge. Quelle tristesse. Bonjour, toi. Ben, il n'y a pas d'auberge. C'est pas grave. On va se mettre vers le feu pour ne pas avoir froid. Et on va donc se laisser ici, les amis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, partager la vidéo, et également à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Si c'est toujours pas fait, ben non, c'est pas bien. Et je vous laisse donc apprécier ben, ce joli petit feu avant de se retrouver pour le prochain épisode. Allez, c'est tout le monde, portez-vous bien. Bye bye.